trouver un camion. Alors nous demandons à tout le monde de se rendre à l'école. Ils parleront de la santé. Ils parleront des enfants. Va observer. Il y a des trucs là-bas pour démontrer réellement le bien-être du cacao. Ce soir, on aura des moments de divertissement. On va danser, on va chanter, mais également on aura une formation sur comment bien faire le cacao, c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles. Également des sujets de santé et des sujets sociaux. Et puis les petits cacao, quand il y a l'ombre en haut, c'est là qu'il grandit vite d'abord. Voilà, donc ça c'est très important. Ici, il y a encore de la place, donc sa question est très bonne. Parce que toute la place qui est ici, là, on peut encore planter du gombo. On a prévu des petits souvenirs pour ceux qui auront une participation active à la rencontre de ce soir. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas l'âge de la puberté. Oui. Oui, ça veut dire de 0 jusqu'à 15 ans. Un enfant, quand il ne va pas à l'école, il peut nous accompagner au champ. Mais il y a des travaux qu'il ne doit jamais faire parce que ces travaux-là sont à risque. Qui veut un camion? Mes félicitations. Merci pour votre présence. On compte sur vous pour la princesse de ce soir. La pépinière doit être préparée bien à l'avance. Donc, ce que je viens de voir, vraiment, c'est très merveilleux. Parce que c'est une première fois. Non, vraiment, actuellement, tout le monde est ébahi. Tout ce que j'ai vu, en tout cas, c'est pour ça que je ne pouvais pas bouger. Parce que je suis obligé de tout regarder. On apprend beaucoup de choses pour qu'un jour, on puisse montrer aussi à les enfants aussi. Et aujourd'hui, c'est une rénovation de taille que d'avoir un camion qui contient pratiquement tout, tout un podium, tout un arsenal qui peut se déplacer pour aller au plus profond des campements, comme ici à Brokoro aujourd'hui.